الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mon fils Youssouf et son épouse, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a baynakuma fi khayr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre mariage. Qu'Allah bénisse votre descendance. Qu'Allah vous aide. Qu'Allah apaise vos cœurs. Qu'Allah soulage vos souffrances. Qu'Allah vous aide à tirer les leçons de cette épreuve que vous êtes en train de vivre alors que vous venez de vous marier. C'est quoi l'histoire? Cette étude fait suite à Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher muallim. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, cher fils Youssouf. J'espère que tu vas bien ainsi que ta famille. Je reviens vers toi concernant l'étude que tu avais faite sur l'âge de mon mariage. Je me suis marié à 30 ans religieusement comme indiqué dans l'étude. Le mariage civil est prévu dans 2 mois. Mais je ressens des angoisses extrêmes et je ne comprends pas. Je me suis pourtant marié avec quelqu'un de très bien. J'ai essayé psychothérapie, hypnose, ruqya par moi-même, dhikr, lecture du Coran, ça ne passe pas, subhanallah. Je voulais te demander une autre étude pour moi, si c'est possible pour toi, et que ça ne te prenne pas trop de temps. Est-ce que ce mariage est la meilleure chose pour moi? Est-ce la bonne personne? Ai-je été ensorcelé? Est-ce que c'est le mauvais œil? Désolé, ça fait beaucoup de questions à traiter, mais ça m'aiderait énormément d'avoir des réponses à ces questions. C'est une période très difficile, même pour les deux familles, car je suis dans le flou quant à cette fête qui arrive dans 2 mois. Qu'Allah te bénisse, Oustad. Amin. Merci pour tout ce que tu fais et tu as fait pour la communauté. J'espère que tu pourras y répondre. Masalama. Il est 3h du matin, je n'ai pas voulu dormir sans traiter ta demande. Le verset de l'étude et bismillah. Est-ce que ce mariage est la meilleure chose pour moi? C'est la première question. Est-ce que ce mariage est la meilleure chose pour moi? Parfait. Sans les rangs, il est habitué maintenant avec les rangs. Dans la langue des premiers, sans les rangs, avec les rangs. Parfait. Est-ce que ce mariage est la meilleure chose pour moi? Les deux totaux, je divise par le 114 et le 23, les restes de la division euclidienne. Je divise par le 23, le reste est 8. Lui, il est premier, la comprend 8. Lui, il est premier, la comprend 6. Ce sont les nombres imposés par Allah par l'intermédiaire de la science El Moubin. Somme sans, somme de la ligne principale. Somme avec, somme de la ligne principale et ce qu'elle a engendré. La durée de la révélation, 23. 23 est premier, la comprend 9. Parfait. Observez bien la beauté d'Allah. 150 plus 172 plus 9, ça isole le 23. Égal à 331, oui, la réponse à la question. La question est-ce que ce mariage est la meilleure chose pour moi? La réponse est clairement oui. Lui, il est premier, la Qumran 67, qui est Qumran 19, qui est Qumran 8, parfait. Maintenant, observez bien, la somme des rangs de la question. Lui moins lui donne la somme des rangs de la question. Parfait. Égal à ce nombre, observez la beauté d'Allah, 597. Plus 67, plus 19, plus 8, moins 23, moins 9, moins lui, ça veut dire tout sauf le oui. Égal à ce nombre. Ce nombre a reçu l'ordre d'Allah d'être un nombre au premier qui a comme rang 68. Maintenant, observez bien les derniers rangs. 67, moins 19, moins 8 donne ce nombre. Ce nombre est un nombre de El Moubin. Maintenant, Dieu, 114, observez encore. 337 plus 68 moins la différence de lui et de lui, les deux nombres de Al-Mubin, donne 331, quelqu'un insiste. Oui. Il est premier, la Qumran, qui a Qumran, qui a Qumran. Parfait. Maintenant, la somme des oui. Je somme les oui et le rang. Lui plus son rang plus le rang plus le rang plus 331 plus 331 plus E plus 331. Je somme les oui avec le rang. Égal à ce nombre. Je divise par le 114 et le 23. Reste de la division euclidienne. Reste de la division euclidienne.
Lui, divise-le par le 23, le reste est 7. 7 le premier, il a comme rang 4. Lui, c'est un nombre premier qui a comme rang 7, qui a comme rang 4. Parfait, observe. La somme de ces nombres. Lui, il est en jaune, c'est un nombre de El-Moubin. 69. La durée de la révélation, 23. 23 est premier, il a comme rang 9. Observe. Lui, avec lui, avec lui. Donc lui, avec le 23, avec le 9. Avec l'autre 23 et le 9. Ok, donne quoi? Donne ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? Est-ce la bonne personne? La question qui suit. Est-ce la bonne personne? Regardez comment Allah a codé la perfection. Maintenant, la somme des rangs de cette deuxième question. Lui moins lui donne la somme des rangs. Égale à lui. Lui, il est premier. Il a comme rang 58. Observez bien. Le 271. Avec le 9. Avec le 69. Observe. 271. Moins 9 plus 69, c'est-à-dire plus 60. Égale à quoi? Égale à 331. Oui, c'est la bonne personne. Premier qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Maintenant, observez bien. Le nombre de El-Moubin ici. 30 plus 7 plus 4. Donc 41. 41, premier, il a comme rang 13, qui a comme rang 6. Observez bien. Le 271 retrouve pour la deuxième fois le 60 pour former le oui. Observez la beauté d'Allah. Maintenant, qu'est-ce qui reste? Observez. Eux, ils ont travaillé. Maintenant, le 17 plus 7 plus 4 plus le 23 plus 9, ce qui isole le 69. 17 plus 7 plus 4 plus 23 plus 9, comme par hasard, pour la troisième fois, c'est dans le 60. Encore une fois, le 271 retrouve pour la troisième fois le 60 pour former quoi? Pour former oui. Allahu Akbar. Oui, c'est la bonne personne. Premier qui a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Rappelez-vous, le 69 vient d'être isolé. Maintenant, lui moins lui, la somme des rangs de oui, le cœur de oui, retrouve quoi maintenant? Le 45 retrouve le 69 qui vient d'être isolé. Ceux-là, avec ceux-là, ça donne 60. Ceux-là, ça donne 60. 69 avec 45 donne le 114, Dieu, celui qui a codé. Et le 69 moins le 45 donne le 24, divise par le 23, le reste est 1. 1 est le rang du nombre premier 2. Observez bien la beauté d'Allah. Le fameux maintenant 271 avec son rang qui n'avait pas participé. 271 plus 58 plus le 2, ça isole le 24 et le 1, donne quoi? Donne le 331, oui. À la perfection. Parfait. Maintenant, observez bien ces nombres. Observez, avec ses nombres, c'est-à-dire Louis avec ses rangs. D'accord? Louis avec ses rangs. Avec celui-là, sans ses rangs, ok? Avec le 58. C'est-à-dire les rangs ici n'ont pas participé. D'accord, parfait. Égal à 1100. 1100, c'est quoi? Avec le 58. Tous ces nombres-là, avec le fameux 58. Rappelez-vous, le rang qui a été isolé plusieurs fois initialement. Dans le quoi? Dans le 1100. 1100, c'est quoi? Ai-je été ensorcelé? Parfait. La question suivante. Maintenant, lui moins lui, dans le 198. Observez. Le 67, 19, 8 qui ont été isolés en haut donne le 94. Maintenant, le 24 plus 1. Le 20, le 2 vient de travailler. 24 plus 1 égale à 25. Observez. Maintenant, la durée de la révélation, 23. 23 est premier, la comprend en 9. Observez. Lui, avec lui, avec lui, avec le 23, avec le 9, plus 14 finalement, 23 moins 9 c'est 14, égale à lui, 331. Oui. Et il dit, ai-je été ensorcelé? La réponse est clairement oui. Parfait. Maintenant, observez bien. Le 24 et le 1. Observez. Le 24 et le 1. Ici, le 2 vient travailler, le 24 et le 1 travaillent, qu'est-ce qui reste? 45 plus 114 plus 114. D'accord? Avec le fameux 58. Avec le fameux 58, donne le 331 encore une fois. Oui. La perfection. Maintenant, la somme des nombres après le 1100. Je somme les nombres après le 1100. Après, ai-je été ensorcelé? D'accord? Je somme les nombres après le 1100. Ai-je été ensorcelé? Ça donne ce nombre. Allah lui a donné l'ordre d'être un nombre premier qui a comme rang 284. Maintenant, la durée de la révélation, 23. 23 est premier, la comprend 9. Observez. 67, les derniers rangs.
67, moins 19, moins 8, plus 23, moins 9, ça devient plus 14. On vient de le faire ici, plus 14. Encore une fois, ok? Ça donne ce nombre. Observe bien, lui, avec son rang, avec le 54, donne le 2199. C'est quoi ça? C'est la suite. Est-ce que c'est le mauvais œil? Allahu Akbar. Maintenant, observez bien. Lui moins lui, c'est-à-dire la somme des rangs de la dernière question, égale à lui. Avec Dieu, 114. Observez bien. Le 114 avec le 54 qui vient de travailler donne le 60. Rappelez-vous, quatre fois, le oui initial a eu besoin du 60. Les nombres ont eu besoin du 60 pour former le oui. Maintenant, observez bien. Le 369 retrouve ce 60 pour former le non. Non, ce n'est pas une histoire de deuil. Ce n'est pas le mauvais œil. Est-ce que c'est le mauvais œil? Non. Maintenant, observe. La somme de la totalité des oui. Je somme tous les oui. Tous. Tous les oui. Tous. Tous les oui. Tous. Tous les 331. Je somme tous les oui de l'étude. Tous. OK? Ça donne ce nombre. Maintenant, observez bien. Lui moins lui, la somme des rangs de non. Lui moins lui, ça donne la somme des rangs de non. Lui, il est premier, il a comme rang 14, n'est-ce pas? Observe la beauté d'Allah. Lui, avec le non, avec la somme des rangs de non. C'est pour ça Allah a imposé ta dernière question, pour qu'il y ait un non, qui se rajoute oui, pour former quoi? Pour former ce nombre. Ce nombre, c'est quoi? C'est le verset que je t'ai laissé quand tu m'as envoyé un message. Sur WhatsApp, je t'ai répondu en te donnant ce verset. Observe la beauté d'Allah. Maintenant, le 43 vient d'intervenir. Maintenant, avec son rang. 43 moins 14 égale à 29. 29 est le rang du 109. Observe bien. Le 5562 plus le 109 plus l'autre 309. Rappelle-toi, on avait sommé tous les oui. Là, un 309 intervient. Il fallait celui-là. Ça donne quoi? Ça donne le 5980. Ça, c'est quoi? Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Le voilà. Regarde la traduction. Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Allahu Akbar. Maintenant, observe bien. La somme des rangs du verset. Lui moins lui donne la somme des rangs du verset. Avec Dieu, 114. La durée de la révélation, 23. Observe la beauté d'Allah. Lui, avec le 114. Avec le 23. Observe. Avec le 29 qui n'a pas intervenu. Le 109 intervenu. Le 29. Avec le dernier rang. Avec le 14 qui a été isolé initialement ici. Donne quoi? Dans le 882. C'est quoi ça? C'est Youssef. Le frère, son prénom Youssef, il s'écrit de cette manière. Observez la beauté d'Allah. Maintenant, lui moins lui donne la somme des rangs de Youssef. Observez bien ce rang qui n'a pas intervenu avec le dernier rang, le 14. Ici. Donne comme par hasard le 23. 23 est premier, là comme rang 9. Observez bien, le 23 avec le 23 donne le 46. Le 46, c'est le rang du nombre 899. Observe la beauté d'Allah. 199 plus 132 égale à 331. Oui, tu as été ensorcelé. Ok, maintenant observe bien. Le 199 maintenant, moins le 132. Comme par hasard, ça donne le 67. Le 67 est le rang du nombre premier 331. Oui, tu as été ensorcelé. Il est premier, il a comme rang, qui a comme rang, qui a comme rang. Parfait. Maintenant, le fameux 23, observe ici, avec son rang. Il n'avait pas travaillé avec son rang. 23 plus 9 égale à 32. Observe bien maintenant. 331 plus 67 plus 19 plus 8. Plus 32, plus 331, plus 76, plus 19, plus 8, donne quoi? Donne encore une fois Youssef à la perfection. Maintenant, observe. La somme des nombres après le 702 sans le 132. Observe. Observe. La somme des nombres, observe. Donc, la somme des nombres après le 702, je les somme tous, observe, tous, sans lui. Sans la somme des rangs de Youssef. Observe. Je somme tous les nombres sans la somme des rangs de Youssef. Observe. Ça donne quoi? Ça donne ce nombre. Est-ce que tu le connais? C'est le fameux nombre. Maintenant, tu vas dire,
la somme des rangs de Youssef, qu'est-ce qu'elle va faire? Observe. Il y a un nombre qui n'a pas intervenu. Tu te rappelles de lui ou pas? Celui-là. C'est-à-dire la somme, c'est-à-dire ce nombre est premier, là, comme rang. Ils apprennent auprès d'eux ceux qui sèment la désunion entre l'homme et son épouse. On regarde ce nombre-là. Avec le 132 qu'on n'a pas sommé, c'est-à-dire le cœur de Youssef, avec le 23, donne quoi? Donne le 331. Oui, mon fils, tu as été ensorcelé. Ça marche? Maintenant, tu commences la ruqya chez toi. Si ça fonctionne, alhamdoulilah. Si ça fonctionne pas, je viens quelques jours chez toi, à Lille, et je te ferai des ruqya, inchallah, jusqu'à te débarrasser. Accroche-toi à ton épouse. Et l'épouse lui demande de s'accrocher à son mari, qu'Allah vous facilite, qu'Allah vous apaise. Tout ça va passer, inchallah. Ne vous inquiétez pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.